la contrainte, en fait, sur les chantiers en montagne, on a des fois quelques facilités pour approvisionner s'il nous manque des pièces. Ici, on ne peut pas du tout le faire. Ici, on doit avoir une organisation vraiment carrée avec un héliportage en début de chantier, un héliportage milieu de chantier et un héliportage pour le repli. Et on ne peut pas déroger à ça. Donc en termes d'organisation là-dessus, c'est très poussé. Alors la pelle araignée, c'est une pelle qui est faite pour les travaux difficiles d'accès. Les pelles araignées, c'est des pelles qui ont deux roues à l'arrière et deux patins à l'avant. Chaque roue ou patin est indépendant et permet de travailler donc sur des pentes fortes et sur terrain difficile. C'est les 20 ans de la mort de Léo Ferré, il est mort le 14 juillet. Pour un anarchiste, je trouve ça très élégant. Je ne suis riche que de mes amis. C'est dit. Le soir, quand tu marches, la nuit, quand tu rentres, quand je rentre à 3-4 heures du matin du travail. Puis il fait nuit, j'arrive vers le pelouse, des fois il y a la lune au-dessus de la maison. Là il y avait des colonies de fourmis partout sur les murs. Et donc quand j'étais petit, je m'amusais à les écraser, normal. Il y avait aussi des fourmis que j'attrapais, que je jetais dans les toiles d'araignée pour nourrir les araignées. Parce que les araignées aussi, elles ont le droit de manger. L'événement à Toulouse, le Music Hall Pandora, un dîner-spectacle féerique, une gastronomie haut de gamme orchestrée par Falco Traiteur, un spectacle exceptionnel avec ses mises en scène, sa revue, ses attractions internationales. Le Music Hall Pandora, Toulouse-Labège, Innopol, 05 61 39 20 20. J'adore Toulouse pour plein de choses. D'abord un hommage parce que Claude Nougaro était un copain à moi. Je veux rien ! Actual ! Keep pop, nigga, by the rock, don't stop. Everybody say ho ! Faites du bruit pour la Hollande ! Yeah, yeah. Hollande, yeah, mais pas plus de bruit ! Génération 87-88, ça a commencé en 84. La danse pour nous, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a pris pour devenir professionnel, mais avant tout une passion. Yeah.